rien fait de spécial, hein. Je parle de toi, c'est tout, hein. Y a rien de méchant, hein, PSTR, mais t'es tellement hypocrite que c'est plus fort que moi, je suis obligé de réagir. Tu vois, tu m'en veux pas, hein, c'est normal, on est là pour s'exprimer, non? Tu t'exprimes bien, toi. T'as le droit de m'exprimer aussi, non? Grosse merde. Tu vas laisser les petites filles tranquilles. Grosse merde, mais... Rico. De toute façon, on s'occupe de toi. Au cas où t'aurais pas remarqué, Rico, on s'occupe de toi. On est nombreux sur tes côtes. Grosse merde. Tu vas laisser les petites filles tranquilles. La communication, elle sort de chez Molinari. Oh, il y a des noms, il y a un tampon. Attends, je vais faire vérifier. Dès lundi matin, je vais vérifier. T'en penses quoi, donc tiens, pour une fois, Corsair, elle a dit de me troller. Tu l'as vu quoi, exactement? Non, j'ai pas vu ça, moi. Je suis sorti sur quelle chaîne? Le document, il est dans la communauté d'LPST. La convocation des abonnés en Espagne. Va voir pour quel motif. Il est quand même tamponné, ce document. Et il y en a d'autres, des dossiers. On en a parlé hier soir, justement. Ouais, il y a du dos. Il y a du lourd dos sur lui. Barbouille est monté hier et on en a parlé pendant un long moment du dossier Rico là. Ouais. Parce qu'il connaît depuis longtemps que moi je le connaissais pas avant. Et là il se fait remarquer à clasher tout le monde, à dégueuler sur tout le monde. Donc forcément on s'intéresse à son cas. Et Barbouille m'a appris des trucs. Ouais, tu t'affiches des noms en plus. Tu mets des photos de personnes, c'est pas. Pas d'où ça sort, mais. Ah, c'est chaud officiel, on pourra peut-être. Europol. Ouais, Europol carrément. Putain. Mmh. Ah, ça veut dire que t'es wanted à l'international quoi. Alors déjà, on est tous plus ou moins au courant de pourquoi il s'est barré du 93 là, ou du 94, pourquoi il a exilé en Espagne là, parce que ça apparemment tout le monde est au courant. Bah il y a plusieurs versions. Il s'est passé en plus des trucs dégueulasses là-bas quoi. Et il se passe quoi dans ton garage, Rico? J'ai appris ça hier soir moi. Tu fais des trucs chelous dans ton garage? Ah il fait quoi? Bah il fait quoi? C'est illégal quoi, tu vois. Alors même si en Espagne, il y a une tolérance un peu plus qu'en. Mais il se passe quoi dans ton garage, Rico? Là je vais pas te sauver le cul, Rico. To be continued. On a le matos. J'attends des réponses.